À tous, bienvenue à tous. Vous savez ce qu'on dit en Provence verte depuis quelque temps. Bientôt, c'est le concert de l'orchestre du Conservatoire de Nice. Ah bon, c'est le concert de l'orchestre du Conservatoire Nice. Et tout le monde se précipite. Et tout ça, ça a une histoire, l'histoire d'une amitié entre Philippe Dulas, le chef de cet orchestre, et Maurice Lequin, qui est donc le directeur du Conservatoire de Saint-Maximin, à qui nous devons, tous les deux, à qui nous devons ce partenariat. Depuis combien d'années, Philippe? Une paire d'années. Et donc, Maurice est toujours parmi nous, mais plutôt à la retraite. Donc, on a voulu perpétuer cette non seulement tradition, mais ce beau partenariat musical qui permet de multiples choses. D'abord, de vous faire entendre de la très très belle musique, de la musique ancienne, de la musique d'aujourd'hui, de la musique en création, mais également à nos élèves de se dire, tiens, et voilà quand on joue du violon ou de l'alto depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, voilà ce que ça donne. Car l'orchestre que vous avez devant vous est un orchestre composé d'élèves, d'étudiants, musiciens, donc ils sont instrumentistes ou ils sont chanteurs, ils sont tous musiciens, car les chanteurs sont aussi des musiciens, il faut quand même se le dire tout le temps. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a fait attendre un peu. C'est que pour faire travailler des jeunes, voilà, pour faire jouer des jeunes, il faut les ciseler, les modeler, les apprivoiser, l'acoustique. Et il nous a fallu un petit peu de temps, on s'en excuse, mais le concert en sera encore plus beau. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, car on a déjà pris pas mal de temps. Le concert est entre la baguette et les oreilles de Monsieur Philippe Dulas, ici présent. Je lui laisse totalement libre de mener à sa guise ce qui va se passer maintenant, et à ses élèves que je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le concert que nous allons vous offrir, c'est un concert en hommage aux personnes qui ont œuvré durant la crise du Covid et surtout aux petites mains, aux gens qui ont ramassé les poubelles, qui ont été chercher les personnes dans leur lit sans avoir de masque parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. On est en février 2020 en Italie. Donc, en Italie, il va y avoir énormément de soignants. On compte environ 8 à 9 fois la mortalité normale des gens. Ils vont chercher les personnes chez eux. Ils font ce qu'il faut pour qu'humainement, les personnes ne soient pas isolées en fin de vie. Ensuite, donc le 9 mars, ils sont confinés, les Italiens. L'état de guerre est déjà quasiment à Milan, 3 semaines avant ça. Et ensuite, nous, on est confinés le 17 mars. Donc, toutes ces personnes qui ont lutté sans avoir de quoi se protéger, donc sont des personnes, si on y réfléchit, quand on a été touché pour en connaître, c'est quelque chose qui est profondément injuste. Pourquoi ces personnes ont été touchées comme ça par un mal qu'on ne connaît pas, un mal invisible, mais qui a vraiment détruit des vies. Donc ce concert, c'est un hommage pour toutes ces personnes-là qui sont disparues. Mais dire ça, ça serait dire quelque chose de politique. Et c'est creux. La réalité, c'est que quand j'ai perçu ça par des élèves qui étaient avec moi à l'orchestre et qui travaillaient avec l'orchestre, c'est que je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut réagir avec des choses comme ça au fond de soi? Et donc j'ai réfléchi au fond de moi, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui fait que je pourrais faire quelque chose par rapport à tous ces âmes disparues, ces gens disparus. J'ai réfléchi au fond de moi et je me suis rendu compte que j'étais déjà un petit miracle, comme vous tous. Ça fait 4000 générations que des gens sont nés, qui se sont connus, et puis ils ont eu un enfant. Et vous êtes cette 4000e génération. On a énormément de chance de ça, d'être là vivant. Et on a la mémoire aussi de toutes ces personnes qu'on a connues proches de nous, à une ou deux générations. Puis après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec tous ces gens-là. Et donc, j'ai commencé à me poser au fond de moi. Et j'ai réalisé des choses par rapport à la vie que j'avais eue en tant que chef d'orchestre. Je me suis souvenu quand je suis allé la première fois à Cordoue en tant que chef d'orchestre, j'avais été surpris par un archange qui est sur le pont de la Calahorra. Le pont de la Calahorra, c'est un vieux pont romain. Et sur ce vieux pont romain, en fait, au Moyen-Âge, il y a eu la peste. La peste est passée du nord de l'Espagne et descendait vers le sud. Elle est arrivée sur Cordoue, tout le monde commençait à mourir. Et des gens à Cordoue ont dit, mais il y a un archange qui s'appelle Raphaël et il soigne. Il faut l'invoquer. Donc tout le monde s'est mis à invoquer Raphaël.
et on a posé des statues de Saint-Raphaël un peu partout à Cordoue. Et en effet, la peste est passée sur l'Andalousie, mais a évité Cordoue. Donc suite à ça, les Cordobans, ils ont réuni les prières des gens, ce qu'ils avaient vu. Et il y a une personne qui a vu l'archange Saint-Raphaël sur le pont de la Calahorra. La particularité de ce pont, c'est qu'il est entre la mesquita musulmane et entre la cathédrale catholique. Il est juste au milieu. Donc ils ont posé une statue. Si vous allez à Cordoue, vous verrez, il y a une statue de l'archange Raphaël juste au milieu. Donc ça m'a incité à me rapprocher de vous avez déjà dans vos repas de famille constaté, vous dites, tiens, il y a un silence, tiens, il y a un ange qui passe. Ou bien votre tout petit enfant, s'il n'a pas son doudou, c'est la cata totale. Hein. Il faut qu'il s'exprime avec quelque chose, quelqu'un dans lequel il met toutes ses pensées. Et donc progressivement, je me suis rapproché de ces archanges, de Saint Michael, de Saint Raphaël, de Gabriel, qu'on invoque quand on arrive vers Noël. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne dataient pas de notre ère chrétienne, mais qu'ils étaient déjà présents 5000 ans avant l'ère chrétienne. Ils étaient déjà présents dans la Mésopotamie, dans la fameuse civilisation de Gilgamesh, la civilisation d'entre les deux fleuves, ce qui veut dire Mésopotamie, actuellement où il y a l'État islamique qui fait des ravages. C'était à ce moment-là, cet endroit-là, que les premiers anges apparaissent. En fait, ils gardent les lieux sacrés. Ils sont en général androcéphales, c'est-à-dire ils ont une tête d'homme. Ils sont pas que des hommes, ils sont parfois là, un peu taureau, un peu aigle, un peu. Mais la tête est d'un homme. Et la tradition orthodoxe va les renommer les chérubicones, les chérubins chez nous. Et donc progressivement, cette tradition des archanges, des gens qui protègent les lieux sacrés, se garde. Dans l'Ancien Testament, ils protègent l'arche d'alliance entre le ciel et la terre. Ce sont deux chérubins qui sont de chaque côté de l'arche d'alliance. Dans le monde catholique aussi, on va avoir comme ça des archanges. Archange, c'est dire le chef des anges. Et donc je me suis rendu compte progressivement que dans toutes les cultures, et même dans des gens qui ne sont pas du tout religieux, il y avait ces histoires avec les anges et les archanges. On avait chacun un ange gardien. Ceux qui ont eu les visions, comme le prophète Daniel dans le Saint-Testament, a eu la particularité d'entendre les archanges. Et il disait, en parlant plus que Gabriel, il disait, on lui demandait ce qu'il avait dit, mais il dit, c'est pas ce qu'il a dit, c'est comment j'ai entendu. Alors c'était quoi? Ben, j'ai entendu sa voix, c'était comme une multitude, comme s'il y avait des milliers de personnes qui parlaient ensemble. Dans un film qui s'appelle Der Himmel über Berlin, Le ciel au-dessus de Berlin, ça veut dire aussi, qui s'est appelé aussi Die Sehnsucht, le désir en France, un film de Wim Wenders. Wim Wenders imagine avec Peter Handke, qui est un grand écrivain allemand, il imagine que deux anges, ses gardiens, sont sur la terre et qui discutent par rapport au monde des hommes. Et Wim Wenders donc, se rend compte que les enfants, à chaque fois, les voient. Les enfants les voient jusqu'à un certain âge. Les adultes ne les voient pas. Les enfants les voient, leur font des signes. Ils leur font des signes aussi. Il a une très belle phrase, Peter Handke, qui dit, donc ça part de l'enfance. Vous savez, quand on a moins de 3 ans, on vous dit, tu te rappelles, j'avais avant 3 ans, on ne se rappelle pas vraiment. Il a une très belle phrase qui dit, Peter Handke, il dit, Als das Kind Kind war, il dit, quand l'enfant était enfant, ging es mit hängenden Armen. Il allait avec les bras ballants. C'est-à-dire, en fait, il n'avait pas de soucis. Hein, il allait se promener, il était tranquille. Et il dit aussi, Alles war ihm beseelt, c'est-à-dire tout lui était inspiré. Und alle Seelen waren eins. Et toutes les âmes étaient qu'une. Alors ce test Peter Handke aussi m'a touché. Donc il y a plein de choses comme ça qui se sont recoupées en moi. Et puis j'ai perdu deux personnes très très proches de moi avec cette maladie. Je me suis dit, c'est comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas possible que ça s'arrête comme ça, la vie. C'est pas possible. Et la petite Thérèse disait aussi, les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Je me suis dit, je vais écrire quelque chose par rapport à toutes ces âmes qui sont parties, pour tous ces êtres qui sont plus là, mais que je sens bien présent. Je pense qu'on se retourne souvent sur sa mémoire, sur ces choses qu'on a au fond de soi. Et c'est un socle.
Ça peut parfois être très émouvant, ça remue beaucoup de choses. Pour ça, je disais, on est vraiment un miracle. On est là, mais peut-être que grâce à un geste de nos ancêtres, on est toujours là, sinon on ne serait plus là du tout. Et je pense pas que... Je crois donc qu'il y a autre chose, il n'y a pas que cette vie comme ça qui s'arrête. Alors bien sûr, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Et pourtant, tout le monde s'aime à un moment ou l'autre de la vie. On aime quelqu'un, même parfois on va faire des folies pour quelqu'un parce que on l'adore, c'est une véritable passion, donc il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Or, c'est totalement invisible. Mais c'est éminemment réel. C'est très réel. Là, vous êtes tous venus écouter de l'invisible. Vous allez nous voir, mais vous n'allez rien voir de ce qu'on va faire. Et pourtant, ça va être très réel. Donc, je me suis dit, quand cette crise du Covid est arrivée, un peu comme quand la peste est passée sur l'Andalousie, et que les cordobans qui commencent à tomber comme des mouches se sont retournés vers leurs ancêtres qui honoraient déjà l'archange Raphaël. Je me suis dit peut-être qu'on peut essayer de trouver quelque chose qui est en nous et qu'on arrive à le faire vivre. Et ensuite, donc, l'écriture s'est faite tout simplement. Je connaissais pas trop les anges et j'ai commencé à lire des choses. Je me suis rendu compte dans toutes les cultures, dans toutes les religions, et pas seulement dans les cultures, on parle de ces êtres invisibles, mais qui nous protègent, qui sont avec nous, avec lesquels on peut parler, avec lesquels on a... Vous savez, dans Tintin et Milou, vous avez le petit chien noir, puis le petit chien blanc. Et puis, ils parlent entre eux, quoi, il y a un truc. Donc, c'est toujours un moment, on est obligé de faire un choix et des choses au fond de nous. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti, l'écriture de cette pièce. Donc ça sera le début de la seconde partie. Mais comme disait la petite Thérèse, c'est les œuvres qui comptent. Donc quand je me suis retrouvé avec cette histoire du Covid, bien sûr, quand le conservatoire était fermé, on était du jour au lendemain, on ne pouvait plus rien faire, il fallait s'arrêter. Et tout de suite, j'ai réfléchi à des programmes qu'on pourrait faire quand ça se rouvrira. Et quand ça s'est rouvert, en effet, on avait des jauges de salles, il fallait mettre des masques. Les cordes que vous voyez ici, ils ont joué tout le temps de cette période avec moi, avec des masques. On a tout le temps joué avec les masques. Les vents, ils ont enlevé juste quand ils jouaient. Mais ils remettaient les masques. Les chanteurs, pareil. Les chanteuses, pareil. Et donc, du fait des jauges de salle, il faut avoir des œuvres qui puissent s'adapter. C'est ce que, malheureusement, beaucoup de grands orchestres professionnels n'ont pas fait. Ils ont fait des enregistrements avec des œuvres colossales. On a enregistré, par exemple, je peux le dire de tous les orchestres professionnels, quasiment. Ils ont enregistré, par exemple, un opéra de Wagner sur Paris, à l'opéra. Oui, peut-être les moyens n'étaient pas vraiment. Peut-être on aurait pu jouer d'autres œuvres. Donc ici, ce que j'ai essayé de faire à mon échelle, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est juste la réalité, moi, en tant que chef professionnel, les choses qui m'ont beaucoup choqué, comme l'injustice de voir partir quelqu'un, mais ça m'a choqué. Et des œuvres, par exemple, comme le Villa Lobos qu'on va vous jouer. Dans les orchestres, on a très peu l'occasion de le faire, l'orchestre symphonique. Pourquoi? Parce qu'on bloque tous les 8 violoncellistes de l'orchestre. Et qu'est-ce qu'on fait du reste de l'orchestre? Si on joue des extraits de la Passion sur Saint-Mathieu, très bien, on va bloquer deux petits orchestres à cordes, quelques bois. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout le reste de l'orchestre? Alors ça, c'est quelque chose de très pratique, de très réel. On ne peut pas vraiment le faire dans les grands orchestres. Toutes ces œuvres-là ne peuvent pas être jouées parce qu'on laisse trop de monde de côté. Donc je me suis dit, bah, peut-être l'occasion de jouer toutes ces œuvres, justement. Alors le Villa Lobos, j'avais déjà depuis un moment l'idée de le faire. Bon, donc ça s'est vraiment conforté. Le Bach aussi, ça s'est conforté. Bon, maintenant, les œuvres, vous allez entendre, il y a une logique dans le programme. La première œuvre, c'est une ouverture de Gluck. Gluck est un compositeur franco-allemand qui écrivait des œuvres, en général des opéras, dans une des deux langues. Puis quelques ans après, il a écrit dans l'autre langue. Et puis, il changeait l'orchestration. Il n'arrêtait pas de faire des changements. Il n'était pas très organisé. Donc, on trouve des versions de ces opéras, mais énormément. C'est parfois un peu hallucinant. Donc, c'était très intéressant parce que ça me permettait de faire jouer certains nombres de musiciens plutôt qu'un certain autre. Et surtout de répartir les responsabilités dans l'orchestre, que les gens ont des choses à faire, qu'on ne reste pas sans rien faire, qu'on puisse monter des choses, des belles œuvres, des œuvres maîtresses. Donc la première œuvre que vous allez entendre, c'est l'ouverture d'Alceste de Gluck. Alceste, donc c'est un opéra écrit par Gluck, mais surtout l'intérêt, c'est que Mozart va l'entendre, cette ouverture, et quand il va écrire Don Juan, il est très fortement influencé, il le dira, par cette ouverture d'Alceste de Gluck. Donc on va vous interpréter pour commencer. Donc l'ouverture de Gluck, d'Alceste.
Et j'espère que voilà, si vous le connaissez, bah, vous l'aurez écouté un plaisir. C'est pas une œuvre qui est très souvent jouée, parce que parfois elle est jouée dans un style baroque, mais avec toutes les versions qui existaient. Et en fait, c'était un moderne, lui qui écrit des choses extrêmement modernes. Donc voilà, on va vous proposer la version à laquelle je crois de Gluck, de l'ouverture d'Alceste. Bonne écoute.
interprété un extrait de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. C'est l'extrait qui s'appelle donc chanté par une alto dans le deuxième orchestre. Et ça s'appelle Erbarme dich, mein Gott. C'est donc Prends pitié de moi, Seigneur. C'est l'épisode dans saint Matthieu où Pierre, qui est au jardin des Oliviers avec les autres apôtres, le Christ parle, Jésus parle, qui va t'arrêter, qui va mourir, etc. Et les apôtres disent non, on va te défendre, t'inquiète pas, on a les armes, tout ça, on va faire ce qu'il faut. Et donc il les laisse parler, puis il dit à Pierre que quand le coq chantera, tu m'auras déjà renié trois fois. Et Pierre dit non, pas du tout, je ne te défendrai, je serai là. Et en effet, quand le Christ est arrêté, les apôtres finalement tous vont tous partir. Et que Pierre s'enfuit aussi, et en effet, pour trois personnes différentes vont le reconnaître, vont dire, mais t'étais avec eux, là, toi je t'ai déjà vu avec eux. Tout ça. Et à chaque fois, il va dire non, puis quand il dit la troisième fois, le coq chante. Et donc, c'est la condition humaine, c'est-à-dire, les gens disent des choses, on dit des choses, et puis parfois, on n'arrive pas à les tenir devant l'inéluctable. Et donc le psaume protestant dit, parce que c'est Picander qui était un notable de la ville de Leipzig en Allemagne, où Bach a passé de nombreuses années, surtout à l'église Saint Thomas. C'est là d'ailleurs qu'il a créé la majorité de ses passions, parce qu'il avait un système avec deux orgues, un orgue fixe et un petit orgue, qui faisait qu'il avait des effets de stéréo. Et au milieu de l'église Saint-Thomas, il y avait vous, le public, les fidèles étaient au milieu, et les chœurs étaient de chaque côté, ils se répondaient, et les fidèles chantaient, ils connaissaient par cœur certains cantiques, les protestants connaissaient la mélodie de chaque. Donc ils participaient comme ça. Et donc il va écrire, Picander, ça n'existe pas dans les évangiles, ce texte-là, qui est un poète, qui est en même temps un notable de la ville, en fait un poète qui a été ami de Bach. Il écrit, donc il met, comment dire, il commente quelque part cet épisode de l'évangile de saint Matthieu, dans lequel il dit donc, et Pierre pleura amèrement après qu'on ait reconnu qu'il n'a pas pu tenir sa parole, quoi. Donc c'est la condition humaine qui a lâché. Donc voilà, donc c'est Picander qui écrit le texte, Bach le met en musique, et ça va devenir un des airs les plus beaux de la Passion selon saint Matthieu. Voilà, et c'est une dame qui a énormément de talent, qui s'appelle Aviva Manenti, qui est une très très belle alto mezzo, et qui va vous interpréter donc le Erbarme dich de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.
Julien va donner un coup de main pour, parce que c'est un changement de disposition, vous avez compris. Cette période de Covid, on a fait des pièces avec des pas en place et des violoncelles et contrebasses. Pendant qu'il s'installe, je vous explique un peu la pièce qu'on va jouer. La pièce s'appelle donc Bacanas Brasileiras. Donc Bacanas, c'est-à-dire deux Bacs, influencés par Bach. Et d'ailleurs, notoirement, de la pièce que vous venez d'entendre. Bach est très, a été marqué par cette pièce, Villa-Lobos. Donc au début du XXe siècle, un compositeur brésilien est très très marqué par cette pièce. Il considérait Bach comme un folkloriste classique. Disait littéralement un folkloriste classique, lui qui a été chercher des musiques dans le nord-est du Brésil, qui était une région de très très grande pauvreté humaine, due à l'arrivée de l'industrialisation, et ça a perturbé les gens. Les gens vivaient pauvrement mais étaient heureux. Ils avaient une culture, ils ont une culture énorme, non écrite mais orale au point de vue de musique. C'est vraiment incroyable la culture qu'ils ont. Et puis est arrivé les chercheurs d'or. Et donc, c'est mis dans leur tête qu'il fallait aussi qu'ils trouvent de l'or. Donc ils sont mis à descendre dans des trous phénoménaux, des cratères, risquer leur vie pour quelques grammes d'or. Comme disait Sebastião Salgado, le fameux photographe brésilien, ils se sont eux-mêmes... Ils ont été attrapés eux-mêmes par cette drogue de l'argent. Et beaucoup, ben, ils en sont morts parce qu'ils y ont laissé leur vie. Donc, voilà, c'est ce qui est arrivé. Parce que ce n'est pas aussi ce qui arrive dans notre société ici très souvent. Donc, bref, les vraies valeurs, où sont-elles? C'est une question. Doit-il que, à l'époque de Villa-Lobos en 1920, c'est pas encore comme ça complètement du tout. Donc il s'en va et il fait un peu comme Béla Bartók dans les pays de l'Est, c'est-à-dire en Roumanie, en Hongrie, en Pologne. Il va aller collecter en fait des musiques populaires, il va les enregistrer. Et il va tellement s'enfoncer dans le nord-est du Brésil qu'à un moment sa famille le croit mort. Et ils vont lui faire une messe à sa mémoire. Il pense qu'il est mort, il n'arrivera jamais. Et en fait, il n'est pas mort du tout, il va revenir des mois après, donc ça va être une grande fête dans sa famille, mais vraiment, il était parti tellement longtemps. Et donc, le Brésil connaît plusieurs dictatures. Donc en fait, Villa-Lobos écrira beaucoup, il est très très attiré par la France, il va venir étudier en France, il obtient une bourse spéciale. D'ailleurs, il va vivre sur la place Saint-Michel, dans un appartement sur la place Saint-Michel. Dans ses allers-retours, donc là, il va plus loin dans la connaissance de la musique occidentale, et il a l'idée d'écrire des Bacanas, Brasileiras. Donc Brasileiras, ça vient de Brésil, qui veut dire la terre rouge du Brésil, et Bac, le Bac. Donc il a l'idée de faire un binôme à chaque fois. Donc il fait la première pièce, là, ça va être la Cantilène, que vous allez entendre, qui va être chantée par Vanessa, qui est une magnifique coloratura, une soprano. Et puis ensuite, vous entendrez... le martello, qui est une danse du nord-est du Brésil, une danse populaire, très très belle danse. Et donc il écrit, lui qui est violoncelliste, il écrit pour un ensemble de violoncelles. Et il écrit quelque chose de très très solistique pour tout le monde. Pour tout un chacun, c'est très solistique. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qui est malade, donc il n'est pas là. Donc on en a 7, mais en fait on en a 6 de violoncelles en réalité. Et donc j'avais fait un arrangement avec 2 contrebasses qui va bien servir. Parce qu'en fait, dans l'écriture à 8 qu'avait fait à l'origine Villa-Lobos, c'est impossible de jouer tout ce qu'il a marqué. Il n'a pas eu le temps de terminer complètement, c'est impossible. Donc en fait, là, on va vous interpréter donc, dans l'esprit de ce que faisait Villa-Lobos, qui a arrangé constamment ses pièces pour les ensembles qu'il avait au Brésil. Il a arrangé constamment. Donc vous allez avoir, ça correspondait bien également à cette période de Covid, d'avoir une pièce arrangée, mais qui reste dans l'esprit de ce que faisait Villa-Lobos. Je me suis permis de faire ça parce que j'ai moi-même été en France, le chef d'orchestre qui a arrangé beaucoup de pièces de Villa-Lobos parce qu'on ne pouvait pas les jouer, on n'avait pas les instruments pour les jouer, comme la requinta, la clarinette brésilienne, ou bien le bombardo, qui était un instrument cuivre qu'on n'a pas ici. Il y a des instruments qu'on n'avait pas en France, en Europe occidentale.
Donc on ne pouvait pas jouer certaines, beaucoup de ses œuvres, on ne pouvait pas y jouer. Donc moi j'ai fait des parallèles avec des instruments existants européens pour réaliser ce qu'il avait écrit, sinon c'est des musiques qu'on n'aurait pas connues. Voilà, donc je me suis permis de faire cet arrangement et c'est la pensée de Villa-Lobos. Donc je vous souhaite une bonne écoute de la cinquième Bacchanas Brasileiras de Villa-Lobos avec Vanessa Fouillet qui va vous chanter la partie soliste en brésilien. Texte par Dan Oiseau.
la quatrième pièce que vous allez entendre, la dernière de la première partie, est en fait en 7 mouvements. Ce sont 7 extraits du Stabat Mater de Pergolesi, de Pergolèse. Donc le texte fait référence à la Vierge Marie qui est au pied de la croix, parce que son fils, littéralement en latin, dit Pumpen debat filius, ou pendait son fils. Stabat Mater, dolorosa juxta putchem lacrimosa. La mère se trouvait en pleurs. Juxta crucem, ou près de la corde, douloureuse, dolorosa, juxta crucem, près de la croix, juste jouxtant la croix, la climosa en pleurs. Donc ce sont des extraits, donc le texte est du XIIIe siècle, c'est un moine qui avait écrit ça au XIIIe siècle, un peu comme Picander avait fait dans la pièce précédente, dans la deuxième pièce. Donc il est commenté quelque part la situation de cette femme qui était en train de perdre son fils. Qu'une situation qui malheureusement arrive. Donc, dans les 7 extraits qu'a choisi Isabelle, qui dirige le chœur, l'ensemble vocal féminin du Conservatoire de Nice magnifiquement, et donc il y a une alternance entre le chœur et une soliste soprano, Lily, et puis une qui est en bleu. Et puis. Flora qui est aussi en bleu. Bon, donc voilà. La harpe, Lily, Flora. Et donc c'est une œuvre en fait qu'on peut aussi jouer, en effet, avec 2 solistes seulement et quasiment 5 cordes, avec un orchestre à cordes et avec un chœur féminin. Donc c'est une œuvre qui a différentes. On peut l'adapter différemment selon. Donc c'est une pièce qui correspondait bien aussi à la période dans laquelle on a travaillé. Je vous souhaite une très bonne écoute des 7 mouvements extraits du Stabat Mater de. Thank you.
Donc les textes que j'ai choisis dans l'Introitus, que j'ai réuni, ce sont des textes, il y a deux textes principaux. Il y a d'abord le texte du Kérubikon, qui vient du slavon, de la liturgie orthodoxe grecque, puis slavon, russe. C'est le chant d'entrée de toute cérémonie orthodoxe. C'est-à-dire, c'est le moment où on demande l'autorisation de chanter en lieu et place des anges, imit amour, qui kérubim. Nous, les chérubins, on demande l'autorisation de pouvoir chanter à la place des anges ou avec les anges. Et afin de pouvoir chanter l'hymne 3x5, donc c'est l'hymne de la Sainte Trinité. Et pour ce faire, on dépose tous nos soucis. Alors, on les dépose, non pas pour les oublier, on peut aussi les déposer pour dire on ne sait pas comment faire avec ce souci-là, on le pose, puis on espère qu'on va être aidé. Voilà, on pose les soucis. Et on rend hommage à la création qui a fait qu'on est là, à la Sainte Trinité. Donc ensuite, il y a un Alléluia, vous l'entendrez, des Alléluia. Et ensuite, donc, cet hymne dans la liturgie orthodoxe, on ne dit pas trop ce que c'est, mais en fait, quand on lit les saints, ils disent bien que c'est sûrement le Sanctus. Donc on a ensuite, vous entendrez très bien, le Sanctus Dominum, Sanctus, Sanctus, qui est dit par le cœur. Et au milieu, donc, il y a un petit passage où chacun peut mettre son intention de prière dans la pièce que j'ai écrite. Il y a un petit moment de l'intention de prière. Ce qu'on a au plus au fond de soi, au cœur, on le met au centre. Et là, dans les chœurs qui sont là, vous avez, donc, qui sont en blanc et noir devant vous, c'est le chœur antique, celui qui raconte l'histoire, c'est-à-dire c'est la communauté humaine. Ensuite, juste à côté d'eux, avec un foulard vert, ce sont les anges gardiens, nos anges gardiens. Ce sont les enfants, le chœur de Estella de Nice. Là, c'est l'ensemble vocal féminin d'Isabelle Giovanni. Et là, c'est le chœur de Natalia Chirostova. Et puis derrière, vous avez en rouge trois séraphins. Ils ont six ailes et ils volent au-dessus de Dieu. Ils sont au-dessus. Ils sont tout en haut. Ce sont les trois séraphins, ils sont en rouge. Et ensuite, là, vous avez six archanges. C'est-à-dire les trois archanges principaux, en fait, Gabriel, Raphaël et Michael. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble des anges, et puis ici vous avez l'orchestre qui crée donc une sorte d'harmonie universelle avec eux. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de l'Introitus, c'est-à-dire en fait introduction à se relier à autre chose que nos choses que matérielles, et se rendre compte en fait qu'on n'est pas seul ici, mais qu'on est, il y a quelqu'un avec nous et qu'on n'est pas seul. Voilà. Donc c'est l'hommage aussi que je rends aux invisibles. Thank you.
Thank you.
la dernière pièce du programme, c'est Siegfried Idylle. Donc c'est une pièce que Wagner écrit lorsque son fils naît, et il va l'appeler Siegfried, c'est-à-dire la victoire de la paix. Voilà. Alors c'est une très jolie pièce qui peut jouer à très peu de monde. On peut la jouer parce qu'en fait, quand elle a été créée, il a fait une surprise à sa femme, il l'a jouée en bas de l'escalier. Ses enfants disent toujours, ses petits-enfants, c'était en bas de l'escalier que ça a été joué. Donc en fait, ils l'ont joué à une dizaine de musiciens. Donc c'était vraiment extrêmement restreint. Et en fait, on peut jouer aussi en grand orchestre. Donc là, on va la jouer en grand orchestre, la version grand orchestre de Siegfried Idylle. Bonne écoute.
Wagner a dit, lorsqu'il a écrit cette pièce, il était sa femme. Alors, Wagner a dit, Ein Sohn ist da, un fils est là, der heißen Siegfried. Il va s'appeler la victoire de la paix. Voilà. C'est vrai. C'est le temps qui arrive. L'enfant arrive. Donc, on va aller un petit peu vite. On avait prévu un 10, on va vous jouer tout de suite. Ça sera le plus simple parce que j'ai le présent tout ça. C'est très très bien. J'en suis très heureux. Tout le monde. Et donc, nous allons vous jouer donc, pour terminer la pavane pour un enfant de défunt de Ravel, qui est la jonction du merveilleux et de la nature. Voilà. Bonne fin de soirée et à vous.